l'obtention du bac, la question récurrente que tout bachelier se pose, c'est quelle filière choisir? En d'autres termes, quel parcours entamer? Je suis Nobel Segaya, représentant national du groupe PSBIS Togo LLC. Cette vidéo que réalise l'une des filiales du groupe PSBIS Togo LLC, j'ai nommé Grain de sel Togo, sponsorisé par l'ONG PSBIS Togo Inc., tire sa source ou bien son origine des expériences personnelles de Dr. Brad Mupati, directeur général du groupe PSBIS Togo LLC. Ces expériences remontent en 2002 avec l'organisation des séances d'information et d'orientation scolaire que menait Dr. Brad Mupati à l'égard des élèves des CEG d'Enfouin, de Ganavé, ceux du lycée d'Enfouin, pour ne citer que cela. Ce travail a été repris depuis 2015 dans le cadre des activités parascolaires que mènent les boursiers de l'ONG américaine Grain de sel Togo Inc., une ONG qui se dédie exclusivement à soutenir à travers des bourses scolaires des étudiants excellents, motivés, assidus, mais démunis. Les motivations des années 2000 restent inchangées. Informer, renseigner, préparer les élèves sur les différents parcours post-bac, les différentes exigences et les formalités d'accès afin qu'ils fassent non seulement un choix judicieux, mais qu'ils se prennent également tôt dans le processus d'inscription. En somme, il s'agit donc d'épargner aux nouveaux bacheliers les déconvenues que l'on peut rencontrer dans le choix de sa filière et aussi dans le processus d'inscription. Dans cette vidéo, nous allons donc tenter de répondre à la question principale posée à l'entame. Ainsi, dans les différentes interventions des anciens boursiers de Grain de sel Togo qui vont suivre, nous allons essayer d'édifier parents et élèves sur les différents parcours, établissements, instituts et écoles qui existent dans les universités publiques du Togo, notamment l'Université de Lomé, les formalités d'inscription, les opportunités de bourse nationale et internationale, et aussi nous allons essayer donc de vous édifier, toujours aux parents et élèves, sur comment faire le choix de la filière qui convient le mieux pour son avenir. Sans plus tarder, suivons les interventions des anciens boursiers de Grain de sel Togo. Je vous remercie.